le fun de bonheur. Il est 8h15 minutes, j'étais presque en train d'oublier ça. Moi, le mercredi, en studio ici, on joue au quiz à main levée et on reste dans l'ambiance des fêtes et j'ai préparé un quiz à main levée pour Noël. Hein? Ça va être le fun, ça. Marie-Christine n'a pas vu la face qu'elle fait. Le principe du quiz à main levée est très simple. Je pose des questions en studio et pour répondre, on n'a pas le droit de parler, on peut pas dire oui ou non, il faut juste lever la main. Alors, on lève la main pour répondre et la seule façon que vous avez de savoir qui a répondu dans l'affirmative, c'est d'aller voir sur le radioénergie.ca. Vous allez entendre des questions qui ont rapport à Noël. S'il y a des idées de questions qui vous viennent, textez-nous 61212, c'est gratuit. Ou via le Facebook, inscrivez-les sur notre page Énergie 989. On va poser vos questions aussi dans le quiz à main levée de Noël aujourd'hui. Gang, vous êtes prêts? Voici le quiz à main levée de ce mercredi 14 décembre. On est quatre en studio. Qui a déjà eu peur du Père Noël? Oh, je pense que j'ai une photo. Il y a quatre mains levées dans le studio. Levez la main si vous avez déjà eu l'air fou plus jeune, parce que vous étiez le seul de la gang à pas savoir la vérité à propos de Saint-Nicolas. Il y a deux mains levées dans le studio. J'y ai cru tard, moi. Avec raison, il existe, Dan. Oui. Qui plus jeune a déjà bu dans le punch en cachette pendant un party de Noël? Il y a trois mains levées dans le studio. Levez la main si vous êtes du genre à fouiller pour trouver et tenter de deviner vos cadeaux à Noël. Il y a trois mains levées dans le studio. Qui a déjà fait semblant d'être surpris alors qu'il savait d'avance quel était son cadeau de Noël? Il y a quatre mains levées dans le studio. Qui s'est déjà sauvé dans le sud à Noël pour éviter d'avoir à acheter des cadeaux? Il y a une main levée dans le studio. Une qui a failli. Levez la main si vous avez déjà redonné un cadeau reçu d'une autre personne. Celle-là fait mal. Il y a trois mains levées dans le studio. Qui a dans sa famille un mononcle tannant dans les parties? Il y a deux mains levées dans le studio. Levez la main si vous avez déjà dit des niaiseries à un membre de la famille parce qu'un peu trop saoul à Noël. Il n'y a aucune main levée en studio. On s'assume. Qui s'est déjà endormi à la messe de minuit? Il y a deux mains levées dans le studio. Qui aimerait mieux dormir que d'aller à la messe de minuit? Il y a quatre mains levées dans le studio. Minuit, chrétien. Qui a déjà vu sa mère embrasser le Père Noël? Oh, il n'y a pas de main levée dans le studio. Levez la main si vous avez encore votre cœur d'enfant aux fêtes. Il y a deux mains levées dans le studio. Peut-être une troisième, elle n'a pas l'air sûre. Qui a hâte à Noël? Il y a trois mains levées dans le studio. Vous avez des suggestions de questions pour le quiz à main levée Noël? Restez là, c'est dans deux minutes. Quiz à main levée de Noël, ça se poursuit avec des questions des auditeurs. Geneviève demande, levez la main si vous avez déjà baptisé une pièce chez la visite pendant un party de Noël. Il n'y a aucune main levée dans le studio. On est sage. Question de Elodie. Levez la main si vous avez déjà utilisé un cadeau de Noël avant de le recevoir. Ben, c'est crasse, ça. Il y a une main levée dans le studio. Yann demande. Levez la main si vous avez déjà quitté la table pendant un souper de Noël pour aller péter. Je vous rappelle que l'honnêteté ici est de mise. Il y a deux mains levées dans le studio. Et dernière question reçue par le 6-12-12. Qui a déjà fini sous dans le sapin? Non, c'est pas moi qui lève. Il y a aucune main levée dans le studio.